François, au tableau! Oh non, dame! Non! Après, à la femme! Oh. Bon. Le rat des villes, le rat des champs. Le rat des villes. Le rat des villes, d'une façon fort civile, invita le rat des champs. À des dîners d'ortolans. Le couvert se trouva mis sur un grand tapis de Turquie. Le couvert se trouva mis et les deux amis firent un grand repas. Non, je n'ai pas appris. Non, oui, je vais m'asseoir. Après ça, la prof de français, ma prof principale de 6e, elle a dû me dire un truc comme « Vous n'avez pas assez travaillé, vous ne serez qu'une bande de chômeurs !» Bon, ça commençait bien. Ma relation au français, à l'école, à la hiérarchie... Il y a des profs de français parmi vous? Non? Ok. Et après, donc 5e, 4e, 3e, voilà, il a fallu faire ce que je pouvais à l'école. Et à la 3e, j'ai dû choisir une orientation, voilà, un métier. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Et. Mes profs étaient sûrement un peu désespérés de ne pas savoir ce que je voulais faire, mais mes parents l'étaient encore plus. Du coup, ils m'ont proposé d'aller voir un de leurs contacts dans leur réseau familial qui était astrologue. L'avantage de l'astrologue, c'est qu'il vous fait à partir de votre nom, de votre prénom, de votre date de naissance, de votre lieu de naissance, il vous fait votre carte astrale. Et donc, votre thème de vie, voilà, ce que l'univers a prévu pour vous. Il était sympa, hein, l'astrologue. Voilà, on a bien discuté. Donc, prénom Baptiste, nom François, né le 6 août 86, à Saint-Priest-les-Fougères. Saint-Priest-les-Fougères, c'est un petit village. J'ai eu la chance de naître chez moi. Dans le lit de mes parents, hein, en plein travail. Travailler dans son lit. Voilà. Et du coup, le thème astral était suffisamment clair, a priori. Et la conclusion fut que j'étais un artiste. C'est cool. C'est d'autant plus cool que dans la cité scolaire où j'étais, à la Citerelle, dans la Creuse, il y avait une section art appliqué. Donc design, aménagement d'espace, voilà, c'était bien, voilà. Donc je me suis inscrit en seconde art appliqué. Ça, c'est mon niveau de dessin en fin de seconde art appliqué. Autant vous dire que ça a duré qu'une année, même plus rapidement qu'une année. Hein. Je me suis douté qu'il fallait que je trouve un autre cursus que à appliquer. Ça, c'est mon outil de travail, pour info à l'heure actuelle. Je ne sais pas, on peut faire un Pictionary, mais je ne sais pas, vous savez ce que c'est, ça représente quelque chose. Les proportions ne sont pas les bonnes, désolé. Une balance. Un circuit électrique. Ah oui, c'est un alambic. Ouais. J'y reviendrai après. C'est mon outil de travail. Alambic de 1919, de Roy, la marque. 1919, c'est l'année du début de la prohibition aux États-Unis. Naissance de Lino Ventura, donc les tontons flingueurs. Et à cette époque-là, c'était les Ford T. Vous avez déjà vu les Ford T, là, ces voitures, ces premières voitures de série. Et moi, j'utilise encore ce matériel-là, à l'heure actuelle. Il fonctionne très bien. Et
Donc, art appliqué, ça ne marche pas. Il a fallu trouver une reconversion. J'étais bon en maths. La politique, l'économique, ça m'intéressait. Sciences sociales, donc il y avait une filière ES. Donc, j'ai fait bac ES. Voilà. Une année de sabbatique après le bac, parce que je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie. Et au milieu de l'année, ben, j'ai fait droit par correspondance. Donc, mon profil, plus le droit, plus par correspondance... C'était compliqué. Et une conseillère d'orientation que j'ai rencontrée m'a dit avec ton profil maths, économique, droit, tout ça, appliqué à l'entreprise, il y a la filière de l'expertise comptable, de la licence de comptabilité gestion qui recrute. Donc je suis tombé par hasard en comptabilité gestion. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour qui c'est par vocation. Voilà, donc j'ai fait ma licence de comptabilité et gestion, j'ai eu la moyenne, j'ai eu mon diplôme, voilà, donc je peux exercer en cabinet comptable et dans une entreprise au service comptable. Voilà. Je peux parce que je ne l'ai toujours pas fait. ça fait maintenant 12, 13 ans, donc plus. Bref, et voilà. Et je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie, par contre. Bon, ne sachant pas quoi faire, je vais vous proposer de prendre l'apéro. Donc ça sera un peu plus simple pour moi. Pour moi, quelque chose dont je sais faire et animer un peu le matériel. Un petit morceau de fromage. J'aime bien ce qui est équilibré. Au-delà, c'est une fougère de coupe. Pain, ça c'est mon whisky. Tiens, ça c'est un guignolet, il n'y a pas copain. Ma fine, à moi. Quand je sors en apéro, c'est toujours ça. J'ai un petit morceau de pain, un petit morceau de fromage et une dizaine de bouteilles. ça c'est un gin d'un autre copain. Alors, le Nice, c'est le cas. Je ne voulais pas comme ça parce que ça serait con de tout faire. D'avoir un possé. Merde, j'ai pas rempli le. Un autre pastis. Encore un autre. Merde, ça c'est quoi? Non, ça c'est le verre d'eau. Pourtant, je l'ai dit à mon père plusieurs fois de ne jamais mettre de l'eau dans les bouteilles de spiritueux parce que ça se trompe à chaque fois. Il y a un peu de gel dans le coulis. Du vin qui ont besoin de saluer un tout petit peu. Donc, ça, c'est pour avoir le temps de boire après. Merde. Il y a le droit de montage. Par contre, j'ai toujours pas de plan et vous avez dû comprendre que j'étais tout ce qui était cadre, normes et tout ça, j'en avais un peu ma claque et j'étais pas trop fait pour ça. Donc le plan qu'on nous a proposé là de faire
une introduction, une thèse, une antithèse, une synthèse, et tout ça, c'est pas trop mon école. Alors, on va fonctionner plutôt par papier, et c'est grosso modo les idées reçues que les gens me disent quand ils viennent à la distillerie, quand ils me rencontrent. Voilà, il y a toujours quelques idées reçues, et quasiment toujours les mêmes. Les gens pensent être un peu originaux, mais... qui est-ce qui veut commencer ? Allez. Julie ? Ouais. J'ai un copain qui a trouvé un alambic, mais il ne sait pas comment ça fonctionne. Donc ça, c'est typiquement comme l'histoire de « J'ai un copain à mine noire ». C'est toujours... voilà, c'est un prétexte. Ceux qui disent ça, ils ont quelque chose à se reprocher. L'histoire du copain qui a un alambic, généralement, c'est la personne qui a trouvé un alambic. Et on trouve rarement, mais vraiment rarement, un alambic par hasard. Généralement, on est allé sur le bon coin, sur Google, et tout ça, et on trouve un alambic. Sachant que cette histoire-là, c'est... On n'en parle pas de l'alambic, parce que c'est illégal en fait d'avoir un alambic à titre amateur en France. Il faut être professionnel. Et du coup, là juste, je te conseille, si tu as acheté un petit alambic en inox, en cocotte minute, je te conseille de le jeter, de le garder pour faire cuire tes pommes de terre, mais plutôt d'acheter un petit alambic en cuivre. Ah oui, à tout hasard, est-ce qu'il y a un douanier ? Un contrôleur fiscal, une personne des renseignements généraux de la gendarmerie, là, non, dans la salle. Non, ok. Vous pouvez tous rester. Si vraiment vous vous sentez un peu mal à l'aise avec la légalité, je vous propose de sortir ou de boucher les oreilles de temps en temps. Donc là, ouais, vous pouvez acheter un petit alambic, mais c'est illégal. Sauf en Alsace modèle, et ça, on en reviendra un peu après. En fait, comment ça marche ? C'est simple, le processus de distillation. Vous avez fait un peu de physique quand vous étiez jeune à l'école ? Ouais. L'eau, ça voit à quel degré ? Ça dépend de la pression. Ouais. J'ai pas dit un ingénieur. Quelqu'un ? 100. 100 degrés, voilà. L'éthanol, ça boue à quel degré ? Ça s'évapore à quel degré ? 69. Ah merde. Et le méthanol, qui est l'alcool frelaté qui rend aveugle, s'évapore à 69. Donc c'est facile, le processus, c'est qu'on fait chauffer un liquide où il y a un peu d'éthanol dedans. Par exemple, un vin. Lui, ce vin, il a 13 degrés d'alcool, 13% d'éthanol. Et on le fait chauffer et on récupère l'éthanol. Donc, dans un alambic comme ça, je remplis la partie orange, là. Donc, oui. Sur celle-là, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Elle a fait vraiment du temps de design à la scène. Oui. On remplit la partie éthanol ici. On met le bois et on chauffe ici. À flamme nue, voilà, avec du feu. Ça boue, ça s'évapore, et là, il y a une réserve d'eau avec un serpentin. Du coup, on refroidit les vapeurs qui se condensent, et on récupère un jus. Voilà. C'est relativement simple. Et après, ce jus-là, ben, je suis obligé de le remettre dans l'alambic une deuxième fois, parce qu'on appelle ça un brouilli, brouillon. En comptant aussi, on parle de brouillard. Voilà. Et on le remet dans l'alambic. Et là, après, on fait des coupes et on garde le bel alcool. Donc, c'est un processus un peu long. Et on met quoi de l'autre côté ? Ah ben là, en fait, il y a deux alambics sur le même chariot. Ah, oui. J'aime pas l'alcool. Moi non plus. t'aimes pas quel alcool ? L'alcool fort. L'alcool fort, merci. Ça t'est déjà arrivé d'aller voir un vigneron ou un brasseur et de dire
Qu'est-ce que t'as comme alcool faible à me montrer? Ouais, parce que fort, j'adore, c'est faible. Moi, je me permets pas. Hein. C'est en vigneron. J'ai jamais fait, mais je pense que sa tête. Voilà. Donc, quand vous venez chez moi et que vous me demandez quel alcool fort je fais, je vais faire une tête un peu comme. Voilà. J'aime pas parler d'alcool fort. Ça veut rien dire. Il est peut-être puissant aromatiquement. Il a peut-être voilà, un goût qui surprend. Un côté feu peut-être en bouche, voilà, mais fort, ça ne veut rien dire en fait. Mais après, moi, j'aime pas non plus le mot alcool comme ça. Moi, je suis distillateur, donc producteur de spiritueux, d'eau de vie, de niol, de gouttes. Il y a plein de mots comme ça qui parlent de mon produit. D'eau de vie de pomme, de whisky, de gin. Voilà, on a plein de mots. Alcool, en fait, c'est générique. Un point où vous connaissez, en fait, on vit en Union européenne et on échange des produits entre les pays. Au niveau douanier, pour faciliter les échanges, on a inventé les nomenclatures combinées. Donc c'est un code à 8 chiffres qui définit ce qu'est le produit. Donc une paire de chaussures, un jean, un t-shirt, une eau de vie, un fromage, un vin, tout ça a une codification européenne. Qui permet quand on envoie un produit d'Espagne à la Pologne, de Hongrie à la France, de savoir ce qu'on envoie, ce qu'on réceptionne, et d'être d'accord. Et de faire des statistiques européennes. Parce que clairement, il n'y a personne qui regarde. Parce que quand on commande un t-shirt, on sait qu'on commande un t-shirt. Et ça ne sert que pour les statistiques. Donc typiquement, le fromage, là, c'est un sous-produit du lait. Qui est un sous-produit des matières premières animales, des matières premières agricoles, qui est un sous-produit de l'agriculture en général. Le vin, c'est un sous-produit du jus de raisin, qui est un sous-produit du raisin, qui est un sous-produit de l'activité agricole. Et nous, nos spiritueux, c'est un sous-produit de l'alcool. Ben oui, dans une bouteille comme ça, où il y a 45% d'éthanol, il y a 55% d'eau. On aurait pu être un sous-produit de l'eau. Mais non, ils ont mis en sous-produit de l'alcool éthylique, de l'éthanol, qui est un sous-produit de l'alcool, qui est un sous-produit des produits chimiques. Donc moi, quand je vends une bouteille en Allemagne ou en Belgique, au niveau des statistiques européennes, je vends des produits chimiques. Donc non, je n'aime pas l'alcool. Ouais. Ça, typique, ça me rappelle ma précédente activité avant de tomber dans la distillerie. J'étais malteur en Ardèche. Donc avec deux copains, on a monté une malterie. Une malterie, c'est ceux qui font germer, tremper et sécher l'orge pour la revendre aux brasseurs. Actuellement, c'est une filière très industrialisée et... En 2008 ou 9, il y a eu un premier malteur artisanal. En 2011-12, on a créé une malterie artisanale en Ardèche, qui a fermé depuis fin 2018. Et au démarrage de cette malterie artisanale, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des brasseurs de la région. Et sur la soixantaine de réponses, parmi toutes les questions, il y avait pour vous, qu'est-ce qu'un malt de qualité? 60 questionnaires envoyés, 60 questionnaires répondus, ils étaient trop contents. 60 réponses différentes. Voilà. Qu'est-ce que la qualité? Ça partait de un malt bio et local. Ouais, c'est bien. On va travailler avec toi pour définir le bio et le local. À un malt avec l'analyse physico-chimique des 40 paramètres de qualité de malt. Et il y avait tout type de réponses entre les deux. Mais personne ne nous a dit ce que c'était qu'un malt de qualité. Et personne ne savait ce que c'était qu'un malt de qualité artisanale. Ce qui est d'acheter un malt de qualité industrielle, mais pas artisanal. Donc, on ne faisait pas. Et moi, par rapport à la distillerie, ben oui, mon rhum, il est bio. Il est certifié. Il y a un tampon
Écocert a le contrôle des organismes certificateurs qui vérifient mes factures, mes certificats, que tous les papiers depuis la Thaïlande sont justes, parce que j'achète la mélasse de la sucre en Thaïlande. Et donc c'est bon, c'est tout tamponné. Mais par contre, pour moi, il n'est pas de qualité bio. En clair, il n'est surtout pas de qualité. Il n'est pas environnementalement bon. Parce qu'il a fait la moitié de la planète en trajet. Les conditions sociales, je n'ai jamais posé la question, je ne la poserai jamais, je ne vais pas avoir la réponse. Les conditions des travailleurs en Thaïlande. Et par contre, l'eau de vie de pomme que je pense sur les vergers de plein vent, qui n'ont jamais vu un pain de chimie qui sont à 5 km de la distillerie, pressé et récolté par le producteur bio, mais vu qu'il n'a pas de certification sur ses terrains, ben ça, je ne peux pas le vendre en bio. Mais pour moi, c'est beaucoup plus environnemental. Et ça, c'est tous les dilemmes qu'on a voilà, sur le bio, mais il y en a plein d'autres. C'est quoi déjà le lien historique entre la fête du travail, le muguet, un cocktail Molotov ? Question typique. Question typique. Il vient toujours. Il vient toujours. Le mot historique, il est pas mal. Historique, c'est quelque chose qui est passé. Là, le lien serait plutôt futur, entre guillemets, parce qu'il y aura peut-être un lien un jour, mais... En fait, en préparant cette conférence, je suis tombé sur un bouquin, Lord Moral Squishy. Voilà. C'est là, très intéressant. C'est là, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un bouquin d'une traite. Heureusement que je ne me suis pas arrêté au milieu des... Il y avait un chapitre de 60 pages sur l'alcool, et heureusement que je ne me suis pas arrêté au milieu de ces 60 pages. Parce que je n'aurais jamais pu reprendre. Mais... Loi relative au régime des bouilleurs de crue. Nous, maréchal de France, chef de l'État, le Conseil des ministres entendu, décrétons, article 1er, à partir du 1er août 1940, est interdite la distillation à domicile par les bouilleurs de crue. Le régime forfaitaire des bouilleurs de crue est supprimé à compter de la même date. Après, il y a trois articles voilà, qui mettent en œuvre cette loi. Fait à Vichy le 20 juillet 1940, Philippe Pétain. Philippe Pétain, qui était colonel ou commandant dans l'armée en 1914-18, qui a participé à envoyer du vin, des litres et des litres de vin, dans les tranchées pour que les militaires aient un minimum de courage pour aller se faire tuer, massacrer. Le même, après la défaite de 1940, parce que là, les commandants, les généraux étaient un peu trop alcoolisés, les militaires aussi, en 1940, étaient un peu trop alcoolisés, les commandants n'osaient plus... sortir la baïonnette pour faire les pelotons d'exécution contre les militaires récalcitrants. Donc, à partir de 1940 et de la défaite de la France, il a fallu redresser la France. Voilà, donc il y a eu toute la vague de l'ordre moral, un rétablissement de l'ordre moral. Donc, grosso modo, la défaite de la France, tout le monde sait que c'était à cause de l'alcool, de... L'homosexualité, des avortements, oui, ben, on avorte, donc il n'y a pas d'enfant pour aller se faire charcuter, des adultères et le cinquième, la prostitution. Voilà. Donc ça, c'était les principales causes de la défaite de la France en 1940. Donc, juste, je vous parlais du droit de distiller à titre amateur. En 1940, à ce moment-là, l'Alsace n'était pas en France. Donc, eux, ils ont encore ce régime-là de pouvoir distiller chez eux à titre amateur. Donc, à partir de 1940, il y a eu peut-être 10, 15, 20 lois, ordonnances, décrets,
jamais décidé de manière démocratique, dans le sens où ça a fait une navette parlementaire, donc c'est passé une fois à l'Assemblée, une fois au Sénat, c'est revenu à l'Assemblée, donc il y a eu des discussions dessus. Il y a eu jamais une seule loi qui est passée qui a libéralisé quelque chose autour de l'alcool. Ça a été que des lois restrictives, que des circulaires, que des décrets restrictifs, et jamais ça a été passé de manière démocratique. Peut-être parce qu'il y a au moins un vigneron par circonscription. Peut-être. Peut-être parce que pas mal de députés ont des domaines de vignes. Peut-être. Mais bon. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à parler du privilège de bouilleur de cru. Parce que le droit de distiller chez soi était interdit, mais ils avaient quand même laissé encore le droit d'apporter ses fruits fermentés de sa propre récolte chez l'alambic ambulant qui tournait dans les différents villages et de récupérer 10 litres d'alcool pur. Je m'en servirai tout à l'heure. Litres d'alcool pur en franchise de taxes. Actuellement, un litre d'alcool pur est taxé à 23,86 €. Donc, 10 litres d'alcool pur, c'est 20 litres d'alcool à 50 degrés. 50 fois 20. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu ce mot-là de privilège d'acquis. Il y a un député qui, dans une des séances de Parlement, qui étudier cette histoire-là de réduction des privilèges, qui a dit « Car de cette affaire des bouilleurs de cru, je voudrais retirer tout ce qu'il y a de passionnel. En définitive, si j'emportais la pioche dans tous les privilèges, on s'apercevrait que celui des bouilleurs de cru, comme l'on dit, est bien minime par rapport à tant d'autres. » 1959, Louis Briot, député du centre droit. À une époque... oui, parce que pour rendre quelque chose détestable, c'est bien de mettre des bons mots. Voilà. Utiliser le mot de privilège, ben, ça permet de l'attaquer plus facilement. Mais ce droit-là des 10 litres d'alcool pur, ben, ouais, voilà. On n'a plus le droit maintenant de distiller 20 litres d'alcool à 50 degrés sans la franchise de taxe. Maintenant... Donc, c'est passé une fois avec la taxe complète, donc c'est passé de 0 € de taxe à 230 € de taxe. Donc, forcément, la consommation a diminué. Et après, c'est revenu là maintenant depuis Sarkozy. Voilà, il a fait un tout de bien. Il a permis une réduction d'un tiers de la taxe. Voilà, donc, on n'est plus qu'à 16 € de taxe pour les 20 premiers litres d'alcool à 50 €. Ouais. Quoi ? Ouais. Toi, t'es intéressé depuis le début pour la recette de ça. ouais, parce que moi, en tant que producteur d'alcool, voilà, c'est une base du cocktail Molotov. Et forcément, à la fois de... À la fin de la lecture de ce bouquin-là, vraiment, j'ai dit à tout le monde autour de chez moi que s'il y avait une préfecture à moins de 10 bornes de la maison, juste par principe, je serais allé l'incendier. Le cocktail Molotov, c'est juste de l'alcool, un dispersant, donc typiquement de l'huile, dans une bouteille avec un chiffon. Voilà. Donc oui, l'alcool peut servir à plusieurs choses. Je pense que... Bon, attends, reste derrière. C'est à partir du moment où tu as parlé de cocktail. Ouais. C'est la préfecture. Saboter.
J'y continue. Et donc, ça, c'est... Ça, vous entendez encore ? Ouais. Ça, c'est... Ça, c'est encore une... ça fait une partie d'un des héritages qu'on a depuis Pétain. Mais il y a eu toute une vague de lois autour de l'alcool. Il y a eu, par exemple, la création des licences. Les licences bar-restaurant et les licences 2, 3, 4. Voilà, par exemple, un bar qui est censé délivrer des spiritueux, de l'alcool fort, il faut forcément une licence 4. Un bar qui délivre juste du vin ou du cidre, il a juste besoin d'une licence 2. Un rhum qui est préparé en cocktail, donc qui est mélangé avec de l'eau, donc dans le verre, la dose d'alcool est diluée, ça reste du rhum, donc il faut forcément une licence 4. Par contre, le vin, quel que soit le litrage de vin qu'on va servir dans le bar, là, ça reste une licence 2. Donc il y a des choses là que j'ai toujours pas compris. Voilà. On parle par rapport à une matière première, mais pas par rapport aux dégâts sur la santé. Il y a autre chose qu'ils ont en héritage qui sont marrants. C'est l'histoire de l'apéritif ou le digestif. À l'heure actuelle, je pense que... Ouais, voilà. À l'heure actuelle, ça, c'est marqué apéritif dessus. En France, on est obligé de choisir une catégorie, apéritif ou digestif. On sait très bien que l'anisée ou le rhum, on le boit forcément en entrée, jamais en dessert. Un gin, on le boit forcément en digestif et jamais en entrée. Voilà. Tout le monde sait ça. En fait, en 1940, ils ont fait une loi, voilà, qui ont dit que l'alcoolisme, la consommation d'alcool, était interdite de 11h à 13h. Donc c'était la période de l'apéritif. Donc il fallait que les spiritueux qui étaient nommés comme apéritif soient bien étiquetés apéritif dessus. Ils étaient taxés de manière supplémentaire et c'était interdit pour le tenancier de bar et même ses salariés. Si son salarié servait de l'apéritif à 11h, il y a une fermeture administrative, point barre du bar. Et voilà. Et du coup, tous les fabricants de spiritueux, ben, ils ont enlevé l'étiquette apéritif, ils ont mis une étiquette digestif. du coup, la taxe a disparu, ils sont revenus dessus, mais pas sur cet article-là. Donc là, moi, à l'heure actuelle, la répression des fraudes, ils peuvent toujours venir à la distillerie et me dire qu'il manque le mot apéritif ou digestif, ou que j'ai utilisé les deux mots dessus et que j'ai pas le droit. Et voilà. Ça me rappelle un peu une histoire de ma nièce. Ma nièce, mon petit frère, il est restaurateur et il prépare des fois des plats, voilà. Et donc là, c'était l'agneau de Pâques. Donc dans le plat, comme ça, hop, il prépare l'agneau, il coupe l'agneau en deux, deux morceaux, hop, voilà. Et ma nièce, elle demande à Vadim, mon frère, « Mais papa, pourquoi tu coupes l'agneau en deux ?» Il dit, bah, « Je sais pas, moi, on a toujours fait comme ça, et voilà, ça marche bien, et de toute manière, c'est la tradition, on utilise toujours ce plat-là, l'agneau, les condiments à côté, voilà. Et si tu as des questions, ben, tu n'as qu'à demander à notre père, à Denis. Et du coup, ma nièce demande à mon père ben, pourquoi il coupe. On utilise toujours ce plat-là, on a toujours la pièce d'agneau, voilà, donc on le met dedans et on cuit et ça marche très bien. Et, de toute manière, qu'est-ce que c'est que cette question ? Ça marche. Non, on va pas. Et si tu as une question, ben, demande à la grand-mère. Donc la grand-mère, elle reçoit ma nièce qui lui demande. Et là, la grand-mère, elle répond à la nièce, à ma nièce, ben, parce que le four était petit.
Donc, il y a un truc comme ça dans la loi, dans les normes, qui est vraiment marrant, c'est que quand on commence à creuser de la raison pour laquelle on coupe un agneau en deux, on met une étiquette, ou pourquoi on roule à droite, voilà, pourquoi les trains roulent à gauche, pourquoi... Ouais. En fait, c'est des histoires ancestrales qui sont toujours là, qui tiennent encore et sur lesquelles il y a des gens qui sont capables de nous dire « Ah, c'est pas la norme ». Par rapport à cette histoire de consommation, c'est vrai qu'on partait de loin en 1940. Là, j'ai les chiffres de 1960. Donc, on a commencé à taper sur la consommation d'alcool des Français, qu'on buvait beaucoup. Et je vous parlais du texte de Louis Briot et la fin des privilèges des bouilleurs de crue dans les années 59. Donc, ça correspond à cette année-là, 60. À ce moment-là, on buvait en France en moyenne chez un adulte 24 litres d'alcool pur par an, en moyenne, par adulte. On aura l'idée, là il faut convertir, il faut faire marcher le cerveau pour. Donc c'est en grammes d'alcool, voilà. Donc en ordre d'idée, 24 litres d'alcool pur, c'est 200 litres de vin. En moyenne par an en France par adulte. Donc ok, il y en a qui boivent moins, mais. Donc là, sur les 24 litres, j'avais 2 litres et demi de bière, 2,5, et 2,5 de spiritueux. Donc 15 et du coup 19 de vin. Un peu moins, il y avait aussi les liqueurs et les choses. Ou les cidres qui sont pas. Il n'y en avait pas beaucoup. Et là, là, c'est passé ici. Alors, en 2010, on n'est plus qu'à 14. Non, 17. On n'est plus qu'à 17 litres d'alcool pur. Donc, c'est bien, hein. On a bien diminué. Non, c'est 13 ans. Oh, ouais. Un jour, je vais réfléchir. 13 litres d'alcool pur. Donc, toutes ces lois restrictives de consommation d'alcool, elles ont sûrement dû faire baisser la consommation de vin, de bière. Voilà. La bière est restée, la consommation c'est toujours la même. On consomme actuellement en moyenne en adulte 2,5 litres d'alcool pur par an en France. Pareil sur les spiritueux. La moyenne c'est 2,5 litres d'alcool pur en France. Et c'est le vin qui a diminué. J'ai pas fait l'ENA. J'ai pas fait science là-dessus ou des grandes écoles comme ça. Mais en fait, moi je trouve qu'il y a un problème là. On fait beaucoup de lois restrictives concernant la consommation de spiritueux, d'obligation de licence 4, de taxation super élevée des spiritueux. Mais au final, ça bouge pas. Quand je parle de taxation super élevée de spiritueux, le vin, il est taxé 70 fois moins que les spiritueux. La bière est taxée 10 fois moins que les spiritueux.
par gramme d'éthanol, par degré de ce qui rend ivre, ce qui est dangereux. Tant qu'on est sur un peu des chiffres comme ça de consommation d'alcool, vous savez qu'est-ce qui boit le plus en France qui est alcoolique dépendant? Tout de suite, c'est en boulie. Les ouvriers. Les ouvriers, oui. Et quelle partie des ouvriers? Les hommes. Ouais, les hommes et plutôt les jeunes. C'est contre eux, hein, quand, c'est qui? C'est Stanislas Guérini qui a dit on va réduire le couvre-feu à 18h là, pour éviter l'effet apéro. Ouais, pour éviter que les jeunes y sortent de boire l'apéro. En France, les alcooliques dépendants, voilà, qui ne peuvent pas passer une journée sans boire de l'alcool, voilà. Et une bonne proportion de gens qui boivent régulièrement trop par rapport à ce que la santé le permettrait. Et en moyenne, 10% des adultes, donc 5% de femmes et 15% d'hommes. Donc oui, les hommes boivent plus. Par contre, dans les catégories socio-professionnelles, c'est les cadres, les professions intellectuelles supérieures, et notamment chez les femmes, mais chez les hommes aussi, qui consomment beaucoup plus d'alcool que l'ensemble du reste de la population. Et quand on passe le cap des 45 ans, la moyenne, on consomme en moyenne deux fois plus que les jeunes. Ouais. On verra. On va faire un petit peu plus léger après. C'est risqué ton métier. Tu as de la famille, pompier? Ouais, j'ai... Non, j'ai pas de famille. Pas encore. Oui, je fais brûler de l'alcool sur du feu. Et forcément, il y a ce risque-là dans son... Cette question-là, elle me rappelle plutôt l'histoire des pompiers à une expérience que j'ai eue adolescent. Entre mes 17 et mes 25 ans, j'ai participé au chantier de jeunes bénévoles du Yellow. Donc c'est un village coopératif depuis les années 70. Voilà, c'est des 68 tard qui ont décidé de remonter un hameau pierre par pierre, voilà, un hameau éloigné de la route, et d'en faire un village de vie. Et chaque été, chaque année, il y a des jeunes qui passent, on avait peut-être 15 000 au total, qui payent 8 euros pour passer des vacances là-bas, à reconstruire un village qui ne sera jamais reconstruit, mais voilà, le but c'est de faire ensemble, d'apprendre à s'autogérer et à fonctionner ensemble. Et ce village, pour accueillir des pompiers, la préfecture leur a obligé, pour accueillir des enfants, la préfecture a obligé à ce qu'il y ait un accès pompier. Ouais. On ne peut pas ouvrir de centre de vacances s'il n'y a pas d'accès pompier. C'est normal, c'est des questions de sécurité. Mais eux, il était hors de question qu'ils construisent un kilomètre de route à fond de colline ou qu'ils traversent la montagne. Voilà, c'est une réserve naturelle. Voilà, donc impossible. Donc ils ont travaillé, ils ont réfléchi, mais il fallait quand même cette obligation de respecter cette obligation de pompier. Voilà. Donc ils ont trouvé deux options. Une, ils ont testé avec un des gros camions de pompiers de passer la rivière, l'Ardèche, qui est en bas, de la passer trois fois à gué. Voilà, ils sont arrivés au pied du village. Donc oui, il y a un accès pompier. Et après, ils ont complété avec en disant, ouais, c'est peut-être compliqué de faire venir les pompiers jusqu'à là. En plus, l'été, les touristes en Ardèche, t'as 10 km de route, mais en voiture, c'est une heure et demie, parce que voilà. Il y a trop de monde sur la route. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va se former à l'équipe permanente sur le village, donc 5, 6, 7 personnes,
on va s'équiper en matériel de pompier et on va se former en tant que pompier. Donc, il n'y avait pas d'accès pompier, ou peut-être un à travers l'île, mais tout le monde était pompier sur le village. Donc, il n'y avait plus besoin d'accès pompier. En fait, c'est comme ça sur plein de choses au milieu. On apprend que ce qu'on nous dit comme interdit, comme norme, comme obligatoire, en fait, quand on regarde, c'est pas forcément le cas. Des fois, il ne faut pas confondre obligation de résultat ou moyen, et voilà, ce qu'on nous oblige. Voilà. Du coup, c'est toujours intéressant. Hein, y a des chèvres là-bas, on aime bien aller gratter la clôture et voir si derrière la clôture, il n'y a toujours pas quelque chose d'un peu plus vert et meilleur. Et que l'interdit, c'est fait pour être dépassé. Tu critiques, mais quand même, tu es bien content de passer dans le journal avec des élus ou des médailles. Ça te fait de la pub. Ouais. Ah, vendu. Les médailles. On va faire ça rapidement et après on parlera de la presse des élus. Les médailles, c'est quand même compliqué hein, d'avoir une médaille. Hein? Vous savez comment ça fonctionne un concours de spiritueux, de vin? Genre le concours général agricole, le concours de vin, le concours de Bruxelles. En fait, les producteurs, ils envoient des échantillons. Il y a une série de dégustateurs, de jurys qui goûtent. L'envoi de l'échantillon, c'est payant. C'est entre 80 et 150 euros l'échantillon, plus le prix de la bouteille qu'on n'aura pas vendue, qu'on aura perdu. Donc moi, on va dire que c'est entre 150 et 200 euros l'échantillon que j'enverrai à un concours. Et en fait, les concours, ils fonctionnent par note et par proportion de médaillés. En moyenne, par exemple, sur un concours en Rhône-Alpes, il y a 30% de médailles. Bah, 30%, j'en bois 3 bouteilles. Normalement, j'ai une médaille. J'en envoie 4-5, j'aurai une médaille. Donc 4-5 bouteilles, ça me coûte 600 euros la médaille. Mais oui, ça fait de la pub. Mais c'est un truc que j'ai arrêté depuis l'an dernier, les médailles. Parce qu'au final, quand on voit les concours de bière, par exemple, là c'est le plus catastrophique, c'est des jurys qui ne connaissent pas ce milieu-là, qui critiquent, qui jugent. Et il y a un lot infini de médailles. Alors, en fait, on sait que en fait, il y a 30% de médaillés, donc tu participes, tu gagnes. Après, il y a deux moments de presse qui m'ont pas mal marqué. C'est un premier, au bout de deux ans de distillation, j'ai monté un manifeste qui s'appelle le manifeste de l'agneau naturel. J'en ai rapporté quelques exemplaires pour promouvoir une certaine idée de la distillation. Je reviendrai derrière. Et ça m'a fait valoir avec les deux collègues avec qui on a monté ce manifeste un article dans Télérama. Vous connaissez ce journal, vous l'avez sûrement lu. Quand même avoir un peu de bouteille, un peu d'expérience, un peu de carrure hein, pour passer dans Télérama. Moi, ça fait que 2 ans que je distillais. Et j'ai des copains, ça c'est une distillerie qui a plusieurs générations de distillation et qui ne sont jamais passés dans Télérama. Et moi, ce qui m'a valu le fait de passer dans Télérama, c'est que j'étais là à signer un manifeste en premier avec deux autres copains. À écrire, à corriger ce manifeste, à avoir osé un jour mettre des crachoirs dans mon alambic, à distiller, à récupérer des crachoirs. Voilà. Parce que, on peut distiller tout type de matières premières, et les crachoirs, il reste un peu d'alcool, donc voilà, ça m'est arrivé. C'était un ancien là qui avait fait ça il y a moins de 10 ans chez lui, et avec lui, j'avais fait cette chose-là chez moi, donc on appelle ça embrasser des inconnus.
Il n'y a plus de bouteilles à vendre, hein, parce que depuis un an et demi, il n'y a plus de salon de vin, Covid, et donc il n'y a plus de crachoir à récupérer, donc il n'y a plus de bouteilles. Ouais, tant pis. Mais voilà, et donc je suis passé pour le punk de la distillation, et ils ont utilisé le mot de gnôleur, voilà, le distillateur de gnôle, donc le gnôleur. Un mot que j'aime bien, parce que voilà, ça provoque un peu ce milieu des spiritueux. Mais je ne sais toujours pas pourquoi je suis passé dans Télérama. Hein. Je ne suis pas forcément légitime à ça à l'heure actuelle. On m'a dit une fois que mon audit se rapprochait de celle de Mété. Là, c'est un peu comme vous les fouteux quand on vous dit que votre île ressemble un peu à celui d'Idan. Ouais. Vous la pétez même si c'est une fois et que vous l'avez fait, vous ne savez pas comment vous l'avez fait, mais ouais, ben moi ça m'est arrivé une fois. Et après l'autre. Non, on va après. Alors ton rhum est bon, mais il est un peu fort. Je préfère le don de papa ou le zacapa. Ouais. Bon, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Je parlais de l'alcool fort tout à l'heure. C'est vrai que l'alcool fort, c'est un mot que j'aime pas, ça veut rien dire. Le don de papa, j'en ai une bouteille là. Le Zacapa, j'en ai pas, j'ai pas encore osé. Ça m'a fait mal hein, d'acheter celle-là. Déjà. En fait, depuis mars de cette année, le règlement européen qui régit l'ensemble des lois sur les spiritueux, il autorise le sucre dans les spiritueux. Jusqu'à maintenant, c'était interdit de rajouter du sucre. Ben ouais, quand là, il y a 5 carrés de sucre par litre de spiritueux. Dans le Zacapa, il n'y en a que 4. Forcément, c'est doux, c'est bon. Et encore, eux, ils rajoutent en plus de la glycérine, des additifs. Voilà. Et sur les spiritueux, il n'y a pas d'obligation de mettre les ingrédients sur les étiquettes. Donc on ne sait pas ce qu'on boit réellement dedans. On sait pas. Il faut faire des analyses chimiques. Et vu qu'il n'y a pas d'obligation, ça s'est arrivé sur un copain, il n'y a pas d'obligation de mettre des choses sur les étiquettes. Ben, un des copains, à l'atelier du bouilleur, un jour, ils ont décidé de mettre leur ingrédient. Donc, ingrédient, eau de vie, point. Les fraudes sont passées, on dit, quand vous avez mis les ingrédients, c'est pas obligatoire. Ah ouais, je l'ai mis quand même. Bah ouais, mais ça fait de la distorsion de concurrence par rapport à ceux qui ne le mettent pas. Mais ils ont le droit, mais juste les fraudes, c'est des administrations, je ne peux pas non plus battre tout le temps par rapport à ça. Ils l'ont enlevé ? Ouais, du coup ils ont arrêté, ils ont changé. Et après c'est un peu un jeu du chat et de la souris sur ces questions-là. Des fois tu fais pour titiller, ça passe, des fois t'enlèves, ça dépend de l'heure du jour quand tu fais ton étiquette. Zacapa. Zacapa, mais ça va pas. Vous connaissez le CAC 40 en France ? Vous avez déjà entendu parler. C'est l'ensemble de la valorisation boursière des 40 plus grandes sociétés de France. Est-ce que vous savez quelle est cette proportion du CAC 40 qui est liée directement à la production d'alcool ? Parce qu'on a l'image que l'alcool s'interdit. Hein. L'alcool s'interdit. 26%. 26%. Bon, il y en a 16% qui sont des alcooliers. Des fabricants de spiritueux de luxe. Pernod Ricard, 3%. Et LVMH, Louis Vuitton, Mouette, Hennessy. Hennessy, c'est toute la filière cognac et marque. Zacapa dépend de, par exemple, LVMH.
Ricard, c'est Pernod Ricard. Donc il y a le luxe LVMH 13%, mais dedans il y a une partie de spiritueux et Pernod Ricard. Et le reste pour aller à 26, donc les 10% restants. Une petite boîte qui s'appelle Total, Engie, Air Liquide. Eux aussi, c'est des alcooliers. Des distillateurs, en tout cas. Vous avez déjà pris la route. Moi, j'étais en Rhône-Alpes, donc je passais souvent à côté de Févin. Avec des... Ça, c'est des colonnes. Des grandes colonnes comme ça. Des raffineries de pétrole. En fait, dans une raffinerie de pétrole, c'est... ils font de la distillation. Ils mettent en produit brut, ils chauffent, et ils récupèrent le gasoil, le fioul lourd, l'essence, le kérosène, le gaz naturel. Donc ils fonctionnent sur des grandes colonnes comme ça. Ça, c'est des colonnes où ils distillent de l'alcool éthylique d'origine agricole. De l'alcool à 87 degrés, communément dans le milieu, on appelle ça comme ça. Moi, c'est de l'alcool. Et c'est l'alcool qui est obligatoire au niveau du règlement européen depuis une vingtaine d'années. Personne ne sait pourquoi c'est arrivé comme ça dedans. Si, parce que quand ils ont demandé comment vous faites votre alcool, votre pastille, ils ont dit on achète de l'alcool, on met des plantes et on a le pastille, du coup c'est resté comme ça. Mais à l'heure actuelle, ça c'est un pastis. Ça c'est un pastis, mais il n'a pas le droit de l'appeler comme ça. Mais on a toujours fait du pastis comme celle-là, jamais comme celle-là. Ça c'est une cerise. Parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser le mot guignolé. Le guignolé, il faut utiliser de l'alcool à 87. Là, c'est une boisson spiritueux de baie de genévrier. Bah, s'il avait utilisé de l'alcool à 87, il aurait eu le droit de l'appeler gin. Voilà. Donc ça, c'est... ça fait partie des choses sur lesquelles on se bat aussi sur le manifeste de manière naturelle. Donc, on évite tout ce qui est additif et on se bat contre ce règlement-là européen dont personne ne connaît l'existence, mais qui nous oblige pour faire du gin, du pastis, du pitot, du guignolé, de la vodka, utiliser un alcool éthylique d'origine agricole à 87 degrés. Sauf que le gin, l'alambic est arrivé en Europe en 1400, le gin a été inventé dans les années 1500, mais en 1500 il n'avait pas cet alambic-là. Hein. J'ai pas fait archéologie là pour le coup. J'aime la tarte aux pommes de ma mamie normande. Est-ce que je peux vous partager ma recette? Ouais. Eh bien, il y a des pommes. Il y a du sucre, il y a du beurre, il y a de la farine, voilà. Quelquefois il peut y avoir un peu de miel dedans, mais ouais, c'est pas obligé. Un babami et des bagnoles dedans. Merci pour cette précision-là, parce que tous ces spiritueux-là, c'est bien de les consommer tels quels, mais vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'eau dedans et les utiliser en cuisine. En pâtisserie, voilà, pour faire des flambages. Typiquement, quand tu fais un bœuf bourguignon, tu utilises quoi comme vin? La rouge. Ouais, mais lequel? Un bon vin. Ouais. De Bourgogne. Pourquoi tu n'utilises pas le 3 étoiles? C'est dommage de mettre non. Quand même un bon vin. Non, non. C'est pareil. Tes pommes que tu mets, c'est de la golden ou des pommes de plein grand, de variété mythique? Variété mythique. Ouais, ouais. Ça fait partie des choses aussi qu'on dit, mais c'est dommage d'utiliser des bons produits, des bagnoles pour faire. Ben non, pourquoi? Quand on veut faire un bon plat, on y va jusqu'au bout. Ouais.
Et tu mets pas de levure, pas d'additif dans ta tarte aux pommes? Pas de gélifiant, pas de choses qui apportent du croustillant à la pâte, pas de... Ouais, mais ça c'est près de ma grand-mère. Ouais, d'accord. Je peux pas dire. Non, parce que ça c'est pareil, quand on fait une tarte aux pommes chez soi le dimanche, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle soit un peu plus cuite, un peu plus croustillante, un peu plus gélifiée, un peu moins gélifiée, qu'elle n'ait pas tout à fait la même taille, la même tête que la semaine d'avant? On n'en a rien à faire. Mais quand on le fait de manière régulière, tous les dimanches, ou quand on devient pâtissier, quand on est spécialiste de la tarte aux pommes, ben là, quand les gens commencent à venir chez vous régulièrement, ben c'est bien qu'elle soit toujours de pareil. Donc là, on commence à mettre quelques additifs, quelques trucs en plus. Et c'est la grosse problématique sur la distillation. Ben, on n'a plus le droit de le faire à titre amateur chez soi. Donc qu'est-ce qui nous empêche maintenant de mettre plein de choses dont on n'a pas besoin dans les spiritueux? Typiquement, vous savez pourquoi on met de la levure dans le vin? Pourquoi on met de la levure dans le pain, dans le fromage? Pour la fermentation. Et pourquoi tu achètes de la levure? Parce que sur le raisin, il est né avant l'humanité sur Terre. Quand on cueille un raisin, on le presse, on le laisse à température ambiante, il va fermenter tout seul. Quand on laisse un lait, entrer le lait, on le laisse dans la gamelle, il va fermenter, il va cailler tout seul. Quand on laisse une boule de pâte de farine avec un peu de sucre dans le plat, et qu'on le laisse comme ça à température ambiante, ben, il va lever tout seul. C'est génial la nature, elle fait des... Qu'est-ce qu'on va faire de rajouter de la levure dedans? Vous savez le prix d'un sachet de levure? C'est à peu près 10 euros pour le vin, un paquet de 500 grammes, pour ensemencer 100 litres de vin. 10 euros, 100 litres. 10 euros, 1 hectolitre. En France, en moyenne, il y a 50 millions d'hectolitres de vin produits chaque année. Bah, 10 euros fois 50 millions, c'est quand même cool ce marché de la levure. Là, juste sur le vin, bah, je n'ai pas parlé du fromage et du pain. Bah. Donc ouais, c'est... La nature est... C'est quand même dommage, ça fait le travail toute seule. Je m'ennuie un peu. Tu parlais de compta. Ouais. Ce n'est qu'un outil. Tu parlais de compta tout à l'heure, je m'en souviens, c'est pas politique. Hein. Non, pourquoi tout. La faire soi-même? Ouais. Parce que tu fais ta compta toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Je fais ma compta moi-même. C'est cool, ça permet un petit peu d'aération. Bref, la compta, non, c'est absolument pas politique. Vous savez pourquoi on fait de la compta? La base de la compta, pourquoi on a développé la compta en entreprise? Dans le Moyen-Âge, Renaissance, hein, ça remontait un peu loin. Il y avait, on va dire, trois objectifs d'imposer et de développer la compta. Le premier, c'était pour collecter de l'impôt. Alors, s'il y a des chiffres, c'est plus facile de collecter. Avant, on mettait un poste d'imposition au passage à niveau à l'entrée du château fort et c'était facile de récolter l'impôt qui passait, mais bon, ça, on développe. Si tout le monde a sa compta, c'est plus facile de payer les impôts. Une autre raison, c'est pour rassurer les créanciers. Bah ouais, quand on prête de l'argent, c'est bien de savoir si tu vas pouvoir les rembourser un jour. Ou quand un fournisseur vous fournit un matériel, bah, il peut contrôler pour voir que vous êtes solvable et que vous allez bien lui payer un jour ce matériel. Pareil, en tant que salarié, quand vous candidatez pour une entreprise, bah, vous pouvez vérifier la solvabilité de l'entreprise et voir si elle n'est pas affichée, si elle va vous payer aussi un jour votre travail. Et notre raison, c'est apprendre à gérer l'entreprise.
Apprendre à gérer et faire sa compta soi-même. Mes parents, ils sont de. Mon père est de famille. Mes grands-parents sont agriculteurs. Mon côté paternel de Normandie, dans les Grès, en Dordogne, dans les années 60, où il y a eu des migrations rurales. Et dans les années 80, au début du parcours professionnel de mes parents, ils étaient assez à la pointe à cette époque-là. Ils ont inventé, ils font partie des premiers à avoir démarré des DAFOG, les associations de formation aux outils de comptabilité et de gestion. Ils ont fait une des premières CUMA informatiques de France. Ah ouais, dans les années 80, pour faire sa compta, il fallait un ordinateur. L'ordinateur des années 80, c'était comme ça. Donc ils avaient fait une coopérative pour acheter un ordinateur entre plusieurs agriculteurs. Et chaque semaine, ils chargeaient l'ordinateur dans le coffre de la voiture. Ils allaient chez un autre agriculteur et ils tournaient comme ça. Ils étaient à la pointe sur l'agriculture locale, les premiers à faire du bio. Voilà. Et comme quoi, avec ma sœur agricultrice, on a redémarré une AFOG avec d'autres agriculteurs dans le Cantal. Et cet outil-là, en fait, ça apprend à faire sa compta soi-même. Ben oui, il n'y a pas d'obligation d'avoir un expert comptable dans une entreprise. Et de faire soi-même, ben, ça permet de gérer et d'avoir une notion un peu chiffrée sur les chiffres. Parce que quand on délègue ça à un cabinet d'expert comptable, il vous donne les comptes au mois de juin, juillet, août, septembre, d'une année comptable qui s'est terminée en décembre. Donc, au mieux, vous avez 6 mois de retard, au pire, vous avez un an et demi de retard sur vos chiffres et votre analyse de gestion. Et après, la compta, c'est pas très politique. D'ailleurs, c'est un truc que moi, je me suis rendu compte assez rapidement dans mes études, c'est que j'avais quand même une tendance à être un peu maladroite, tellement j'étais de gauche. Et quand j'ai commencé à comprendre que l'organisation des comptes, parce que la compta c'est facile, hein, faut mettre des chiffres dans des cases. Même mes neveux, là, quand ils mettent un carré rouge dans un carré rouge, un triangle vert dans un triangle vert, la compta, ils n'en sont pas loin. Mais il faut toujours trouver deux comptes. Donc, voilà, deux comptes parmi tout ça. Hein. Des fois, on les apprend par cœur, et après, à force de les utiliser. Et ils sont hiérarchisés. C'est bien quand on apprend la hiérarchie des comptes comptables pour s'y retrouver dedans. Et c'est hiérarchisé du plus important au moins important pour l'entreprise, pour le fonctionnement du système actuel économique. Pour vous, c'est quoi le plus important dans une entreprise? Les bénéfices. Les quoi? Les bénéfices. Les bénéfices, ouais, cool. Les dividendes, c'est pareil. Il y a deux choses importantes dans une entreprise. Les salariés. Les salariés, ouais. La matière première. La matière première? On va aller chercher. Alors, du coup, je vous propose juste de les lire dans l'ordre, et une fois qu'on arrive à salarié, matière première, on dit stop. Donc, compte de capitaux, les 1, donc 10, capital et réserve, 101, le capital, 102, les fonds fiduciaires, 104, primes liées au capital social, 105, les cartes de réévaluation, 106, les réserves, 107, les cartes d'équivalence, 108, le compte de l'exploitant, 11, 110, le report à nouveau, 119, le report à nouveau de la débiteur, 120, le résultat de l'exercice, 130, les subventions d'équipement, voilà en détail, en état, région, 14, et les provisions. Ça, c'était le plus important. Ouais. 120, quand même, ça arrive en premier, quoi. Ouais. On continue. Après, là, il y a les comptes 1, il y en a encore 4 pages. Les comptes 2, il y a les immobilisations. Donc, immobilisation incorporelle, le fonds de commerce. Après, il y a les immobilisations corporelles, le terrain, le bâti, les outils.
Je vous les détaille ou... Non. Après, 3, il y a les stocks. 4, il y a les comptes de tiers, donc les dettes qu'on a aux clients, aux fournisseurs, à l'État. 5, il y a le compte en banque, la trésorerie. 6, il y a les charges et 7, les profits. Dans les charges, la classification, c'est les matières premières, les charges de fonctionnement, donc les services extérieurs, les honoraires d'experts comptables, l'assurance, location. Et après, il y a les salariés. En fait, moi, ça me pose problème, ça, cette organisation comptable. C'est qu'elle est faite pour, 1, capitaliser, 2, mobiliser, 3, stocker, 4, payer dettes et créances, 5, stocker de l'argent en trésorerie à la banque, 6, payer des charges, et 7, enfin, on s'occupe de ce qu'on vend. On pourra faire un exercice aussi, c'est... après l'apéro, tout ça, à retourner tous ces comptes-là et à se faire une comptabilité idéale. Mais de connaître ça, on se rend compte que changer le monde dans les entreprises, c'est un peu compliqué. Il n'en reste plus beaucoup, il n'en reste plus pas mal. Tu veux un whisky? Juste un doigt. Ah, au moins quelques-uns qui ont la référence. En échange, tiens, il y a Fred là. C'est pas là. Est-ce que je peux lire un poème? Ouais. Vraiment, tu veux que je le lise? Tu peux lire un poème? Je peux le lire aussi. Hein, mais... Ah ouais, tu le connais par cœur. En fait. Bon, après, c'est allé. Ouais. Le rat des villes, le rat des champs. À force, ouais. Je pourrais plus trop la faire en version finale de tout notre temps. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis, je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils nous entendirent du bruit. Le rat des villes détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de tir. Achevons tout notre rôle. C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi, ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. Jean de La Fontaine, 1668. Toujours debout. Cette fable, elle me parle pour plusieurs raisons. Je vous parlais un peu des salons, des concours, de la presse. En fait, dans les spiritueux, je trouve qu'il y a deux mondes à l'heure actuelle. Le monde de la ville, le monde des champs. Les spiritueux des villes, le spiritueux des champs. Le spiritueux des champs, c'est ce qu'on parlait, alcool fort, un alcool blanc, ça. L'alcool de papy, l'alcool de bouseux. Dans les tontons flingueurs, il y a une partie où ils disent, même une polonaise, on buvait le matin, voilà, c'est un truc où si on n'a pas les larmes en buvant, on a raté sa vie. Et y a le spiritueux des villes. Voilà, là où il faut avoir une bouteille bien marquetée, un alcool ambré, si possible, s'il y a un mot anglais, par exemple, whisky, gin, rhum, là ça marche. Eau de vie de pomme, non, eau de vie de pomme, miol, goutte, ah non, ça parle pas. Et des alcools vieux, voilà, et ça marche. Et du coup, moi, ça. Vraiment, là, moi, ça m'énerve, parce que pourquoi un spiriteux qu'on a acheté, il est ambré, il est importé du Japon, on est très content, on a payé 160 euros, est meilleur qu'un spiriteux
à distiller avec un petit alambic en rural, quel que soit l'âge. Voilà. Sans compter du prix du salon. Hein. Un salon de spiritueux à Paris, c'est plus d'un mois de salaire pour moi. À Paris, c'est largement moins d'un mois de salaire. Mais je ne suis pas capable de me payer ce salon. Enfin, je ne suis pas mainstream. Voilà. Cette fable, elle parle aussi de rats. Et ça parle. On parle souvent des douaniers comme les rats des caves. Donc voilà, ça me fait un peu de lien aussi à ce sujet-là. Parce que les douaniers, ben, on est à une activité où on est en lien régulièrement avec eux. Et c'est eux qui nous autorisent, qui nous passent l'autorisation de démarrer la distillerie, mais ils peuvent contrôler un peu n'importe quand. Voilà. Donc ça fait un peu du lien entre ce milieu-là. Et aussi cette histoire de bois, de la ville, de toujours plus, toujours mieux, toujours. Voilà. Alors que des fois, une petite étiquette, ça en raconte beaucoup plus. Deux derniers. Pour aller à la je me rappelle du film de Ken Loach, Le Pont des Anges. Il a parlé de Par les anges. Ça parlait de distillation et de garde à vue. Ah ouais. Ouais, bah, on en parle beaucoup de Par des Anges quand je fais éditer le chai, parce que voilà, tu distilles. Attends juste que je ne pas faire. Quoi. On va venir sur celle-là, j'ai le permis. Après avoir distillé, bah, soit j'embouteille une eau blanche comme ça. Soit je mets l'eau de vie sous bois, donc dans des tonneaux, et là je le garde plusieurs mois, plusieurs années. Donc c'est mon chai, et je fais vivre ces eaux de vie entre 3 mois et pour l'instant 3 ans. Et chaque année il y a une évaporation naturelle qui s'appelle la part des manches. Le bois n'est pas tout à fait étanche, donc il y a un peu d'évaporation, il y a quelques fût aussi qu'on va ouvrir pour goûter quand il y a une visite intéressante, voilà, de piquer dans un fût, voilà, pour goûter, tout le monde le fait. Là, il y a un problème mathématique qui se pose, ou comptable. C'est qu'en France, on est autorisé à 6% de part des anges par an, en moyenne. 6%, je vais apporter sur mon stock qui est tout petit, hein. Il y a peut-être 1000-1200 litres. Ça fait 33 centilitres par jour d'évaporation d'alcool. Les dents, ils tournent autour de la distillerie. Non, réellement, j'ai largement moins que ça. Mais les douanes nous autorisent à 6%. Imaginons, vous êtes en voiture, vous prenez l'autoroute. Vous êtes limité à 130 km/h et vous savez au fond de vous que le radar il va pas flasher avant 135 km/h. Vous roulez à combien ? Bah voilà. Donc là, on est sur des aberrations du fonctionnement des douanes qui sont super rigoureuses sur plein de choses, voilà, qui nous autorisent à 6%. Et voilà, l'an dernier, j'ai fait 2,5%. Alors, soit je reste à 2,5% et l'année suivante, voilà, soit j'arrondis à 6%. Mais si j'arrondis à 6% l'année suivante, bah, j'aurai déjà quelques pourcents d'avance, donc le décalage sera plus gros, donc je devrais piquer plus dans les. On n'en finit plus. Et là, c'est ce monde-là qui est un peu bizarre au niveau de tout ce droit des impôts et tout ça. C'est que c'est tellement rigide que ça nous oblige à frauder. Ça me rappelle un. T'as pas. Non, ça demanderait un. Ça me rappelle un des premiers cours de compta qu'on a eu, et notre prof de droit pénal, je crois, ou droit du travail, nous avait dit que maintenant ça se faisait de plus en plus que
que les patrons ils finançaient des stages de formation et de sensibilisation aux salariés. Et que si on avait l'occasion de demander un jour à notre patron de financer un stage de comment subir une garde à vue, faudrait lui demander. Et là, on regarde, attends, on est en première année de licence, tout le monde a déjà de garde à vue. Il dit, ah ouais. Et vous, en tant que comptable, vous allez forcément passer une fois dans votre vie en garde à vue. Sympa. Bah ouais, soit parce qu'on est les premiers à frauder avec de l'argent et de la caisse, soit parce qu'on est le premier à l'avoir vu. Donc forcément, maintenant avec ce que je voulais raconter sur l'alcool, d'où la question ce midi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé en garde à vue avec sa conf? Comme je demande à mon patron. Et en fait, ce film-là de Ken Loach me parle beaucoup parce que ouais, y a l'histoire de l'insertion aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'est des jeunes qui ont fait des conneries dans leur vie, qui se retrouvent en garde à vue et leur travail d'intérêt général, leur encadrant les sensibilise au fur et à mesure à la dégustation de whisky. Et il y a toute l'histoire. Et ça me rappelle un peu l'ensemble de l'activité de mes parents qui étaient famille d'accueil, lieu de vie. Donc ils accueillaient 4 à 5 jeunes en accueil permanent, voilà, des jeunes en situation de difficulté familiale. Et il y avait aussi une partie d'accueil touristique, voilà, donc de gens qui passaient un week-end ou juste voilà, sur la route des vacances, ou une semaine en vacances. C'était à mi-chemin entre Paris et le fin fond de la Creuse, donc les gens ils arrivaient là en pied-à-terre pour après s'installer en rural. Et du coup, cette histoire d'insertion, elle m'a toujours un peu suivi. Et aussi cette histoire de partager un grand repas autour d'une table. Voilà, l'été, c'était fréquent qu'on soit 10, 12, 14 autour d'une table à manger des produits tout simples de la ferme, du petit jardin, et à passer un temps à voyager beaucoup autour de la table. C'était à la fois pour nous l'occasion de voyager, nous enfants accueillants, et c'était aussi pour les enfants accueillis un moyen d'avoir un cadre, parce qu'eux, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir une famille. Voilà. Donc, chez la famille, le grand frère, c'est l'Auvergnat qui travaillait à Paris dans le bâtiment, un cliché, ou le Creusois, parce que c'était de la Creuse. Mais après, ma sœur, elle fait du fromage, et mon petit frère restaurateur, et moi, je suis dans les spiritueux. Pourquoi on aime bien manger. Ouais. Il y a un truc voilà, que j'ai loupé dans la présentation de mon métier, parce que j'ai parlé de la première passe et de la seconde passe. Et dans l'histoire, tu as au whisky juste un doigt. Le doigt, c'est un peu mon seul outil de travail au final dans la journée, parce que la première distillation, je dégrossis le travail, je fais un bouilli, un bouillon. Ceux qui m'ont suivi là sur la conférence, vous avez vu, je fais 80% de mon temps de travail, c'est du bouillon. Après, j'essaie de faire un truc bien. Donc, on verra, la prochaine fois, ça sera peut-être différent. Ça, voilà. Et par contre, à la seconde distillation, à la seconde passe, ou à la repasse, ça dépend les régions, voilà. J'apprends à faire les coupes. Et là, il y a le premier alcool qui sort, qui s'appelle le méthanol, les alcools de tête. Non, alcool de tête, je ne sais pas, vous avez déjà dû utiliser dans votre vie soit du dissolvant, de l'acétone, de l'alcool à brûler. Voilà. Donc c'est typiquement cette aromatique-là. Ça prend le nez, ça sent le vernis à ongles. On ne peut pas le louper. Et c'est un alcool qui s'évapore en premier, donc qui dit s'évaporer en premier, point d'ébullition plus bas, et on revient sur l'histoire du méthanol, qui est l'alcool frelaté, qui est neurotoxique, qui rend aveugle. Pour faire du méthanol, c'est dans les tontons flingueurs, ils donnent la recette, c'est un sac de patates, et 25 kg de patates et un sac de sciure, et on vous fait une gnole 3 étoiles. Bon, ils ont dû arrêter parce que ça rendait beaucoup de gens aveugles. Ouais. Donc ça, c'est l'histoire du méthanol dans ce film-là.
Donc là, on est en sent très vite, hein, ça pique les yeux, ça pique le nez, voilà, on sent que c'est pas. Donc on passe le doigt, on sent. Et après, il y a la bande chauffe. Donc là, le bel alcool qui commence à couler. Donc lui, on le garde. Et à un moment, le vie va commencer à tourber, à faire des petites bulles, à avoir une aromatique de poisson fermenté, de carton moisi. Voilà. C'est des odeurs, c'est pareil. C'est pas avoir fait. Là, on va taper sur Saint-Cyr, par exemple, pour trouver cette aromatique-là qu'on a souvent facilement. Voilà, le carton moisi. Et donc, il faut s'arrêter juste avant. Là, on appelle ça la queue de distillation. Donc, mon but de métier de distillateur, voilà, c'est d'apprendre à faire des coupes. Si vous avez besoin de quelqu'un qui sait faire des coupes de tête à un moment, c'est sûr. Et du coup, la bande chauffe que je récupère, elle est en moyenne à 70 degrés d'alcool. Et là, il faut que, c'est ce que je disais, soit je la mets en fût, soit je rajoute un peu d'eau pour la réduire à 40-45 degrés d'alcool pour la mettre en bouteille. Donc, juste sur ce sujet-là, c'est pas grave de rajouter de l'eau dans votre spiritueux au moment de la dégustation. Moi, j'en ai déjà rajouté 25% avant de vous le vendre. Donc n'hésitez pas à en rajouter derrière. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas au niveau aromatique. Voilà, vous pouvez utiliser de l'eau fraîche, de l'eau. Voilà. Ça, vous avez l'habitude de rajouter de l'eau dedans. Ben, n'hésitez pas à le faire sur les autres. J'ai bu un très bon gin hier soir. Comment on fait pour devenir distillateur? Ouais. Alors, déjà, il faut être un tout petit peu mado. Ou avoir bien bu un gin. Ça, si vous voulez tout à l'heure voir, c'est l'ensemble des codes et règlements qu'il y a besoin pour fonctionner. Quand vous démarrez une activité d'agriculteur, vous allez voir votre métier dans le code rural. Quand vous démarrez une activité de boulanger, d'entreprise, vous allez voir toute la codification dans le code des sociétés. Donc c'est assez simple, hein, sur l'ensemble des entreprises. La distillation, on a la chance d'avoir directement le code des impôts pour nous. Allez comprendre. Et ce que je dis, c'est qu'il y a généralement 30% de plus d'administratifs dans la distillation. Moi, j'aime bien l'administratif. L'administratif, j'avais le choix entre trois activités super administratives. Les spiritueux, l'armement, le tabac. Je ne fume pas et je suis non violent. Donc, je me suis rabattu sur... voilà. Bon, c'est un peu comme si on embauchait dès le premier jour de travail un salarié. Pour ceux qui ont déjà embauché un salarié, voilà, toute l'administratif qui a ça. Voilà. Donc il y a ce volet-là de l'activité. Après, c'est simple, hein, voilà, faut monter sa société, il faut trouver un local. Ah non, mais quand on monte une activité de coiffeur, en fait, on apprend à coiffer. Déjà, on teste sur son petit frère. Après, si ça marche, on teste sur sa copine, son copain. Après, sur ses parents. Après, on fait une école de coiffure. Après, on fait un stage chez un coiffeur, et après, on se lance coiffeur dans une entreprise. Distillateur, on n'a pas le droit de distiller à titre amateur chez ça. Donc, en fait, il faut commencer par déposer des statuts d'entreprise, de trouver un local, et après, de demander l'autorisation des douanes d'acheter un alambic, de faire un mouvement d'alambic, de distiller, et après, là, on voit si ça ne plaît pas. Bon courage. Bon, ça, c'est la création administrative, mais ça, on peut trouver un moyen derrière pour vous former en compta administratif dessus. C'est marrant, c'est sympa. Là, j'ai trouvé une juriste qui est passionnée par le droit des spiritueux, une expert comptable passionnée par le droit des spiritueux. On va se faire des sacs de bouffe mercredi soir à la maison. Et après, il faut créer une marque. Ça, c'est assez facile, hein, créer une marque. Vous en avez déjà créé? Non. Bon, on va faire simple.
On va se créer une marque de gin. Est-ce que quelqu'un peut me raconter un souvenir d'enfance qu'il a, qui marque bien Un bourgine ? Non. Tu peux. Mais un souvenir d'enfance, voilà. Un moment, une histoire, des vacances. Un truc qui vous a bien marqué. Petit temps de vacances chez mes grands-parents à la campagne, d'être dans la forêt. Ouais. Dans quel coin de la France à peu près ? Dans le sud-ouest. Sud-ouest. Canard, foie gras. Voilà. Quelqu'un peut me dire un moment historique de l'histoire de France, un personnage ou une époque ou un événement très marquant. Rachel Pétain. Prise de la Bastille, ok. Et quelqu'un peut me dire un plat cuisinier qu'il adore, une pâtisserie, un gâteau, avec des épices qui... La carbonade. Il y a quoi dans les épices dans la carbonade ? Pain d'épices, ok. Là, en fait, avec ces trois souvenirs-là, donc aromatique de pain d'épices, le sud-ouest, foie gras et tout ça, 1789, il y a quoi ? La poudre. C'était vrai, on n'avait pas été. un côté révolutionnaire, c'est ici le Jacques le Croquant en Dordogne, un révolutionnaire, c'est pas l'époque, mais c'est pas grave, de toute façon, l'histoire. C'est... Donc on peut tisser avec ces trois souvenirs-là une histoire de. Voilà, on a fait une autre vie qui a un goût de pain d'épices et qui nous rappelle nos vacances en Dordogne dans le sud-ouest, là, avec l'histoire de Jacques le Croquant, voilà. Et du coup, d'avoir une histoire, voilà. On va broder ça, pareil, en troisième mi-temps, là, on trouvera un nom, et jouer sur croquant, pain d'épices et tout ça, avec une aromatique qui nous rappelle le croquant du pain d'épices. Ouais. Et là, on peut en faire quelques-uns. Il y a quelqu'un qui m'a raconté un proverbe québécois qui dit que la personne, elle parle comme un dos de boîte de sardines. Donc, la prochaine fois que vous boirez un gin ou une autre vie là, qui se crée, qui se monte parce qu'il y a un gros boom des distillateurs ou des alcooliers, voilà, parce qu'il y en a qui ont des alambics, il y en a qui n'ont pas d'alambics, et il y a des belles histoires derrière, voilà, quand on ne voit plus le produit, et quand l'histoire commence à ressembler à quelqu'un qui parle comme un dos de boîte de sardines, il y a... Ça pose question. Et après, je veux parler des alcooliers, mais cet alcool à 87 degrés, là, dont j'ai parlé de Ricard, de Jean Papa, de gin, obligatoire pour faire du guignolé, du pastis, en fait, il coûte 5 fois moins cher, ou 10 fois moins cher selon les produits, dans la bouteille finale. Grosso modo, moi, ma partie spirituelle alcool me coûte 5 euros par bouteille. Sur celle-là de 50 centilitres, c'est plus qu'un euro. Donc tout le reste autour, c'est de la marge marketing, de la marge commerciale, et qui permet de payer des salons à Paris, de payer des médailles, de payer des commerciaux, de payer... une histoire de dos de boîte de sardines. Et ça, c'est un problème dans le milieu où on se bat aussi entre l'artisanat et qu'est-ce que ça veut dire, paysan, artisan, industriel, voilà, la limite entre tout. Ça commence à faire beaucoup. Nous, les bouilleurs de cru, refusons en masse toute ségrégation, voulons rester libres et de régal vêtu avec le droit d'exister dans la nation.
À tous mes confrères bouilleurs de cru, d'ajoie, de France, de Navarre et d'ailleurs, à tous les tempérants du monde, pour qu'ils délectent toujours la Renault de source et nous laissent le breuvage de Satan. Quand les verres et les yeux vont à la rencontre l'un de l'autre, dans la quiétude de l'âme, ils se touchent en silence, c'est comme si nos cœurs se mettaient au cristal de l'amour. Ça, c'est un poème de bouilleur de cru. J'ai ni retrouvé la date, la référence. Mais, enfin, c'est peut-être un truc récent, un truc vieux. Et il me parle beaucoup parce que parce qu'il reparle d'apéro, d'apéritif. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce moment-là de l'apéritif, c'est quand on arrive, on sait chez qui on va prendre l'apéro, généralement. On sait ce qu'on apporte. Des fois, on sait ce qu'il y a à manger, voilà, la thématique de la soirée et tout ça. On a peut-être pensé, en y allant, à un sujet de discussion, si on n'est pas très à l'aise avec le groupe, voilà, un sujet d'actualité, un match de foot, hein, voilà, juste pour brider la glace, comment ça va, voilà. Et en fait, sur l'apéritif, on ne sait jamais comment ça se termine, pendant combien de temps on va y être, et les discussions qu'on aura. Ça me rappelle, à l'époque de la maltoterie, j'avais rencontré des brasseurs qui nous avaient raconté que un peu leur histoire de création de brasserie. Ils nous ont dit qu'ils avaient commencé avec cette bande de copains brasseurs là, à chercher un métier pour changer le monde. Voilà, donc autour d'un apéritif, ils se sont fait un premier apéritif pour chercher à changer le monde. Alors, le premier n'a pas été efficace, donc ils ont refait un autre apéritif. Ils n'ont toujours pas trouvé. Un troisième apéritif, ils n'ont pas trouvé de solution pour changer le monde en entreprise. Je ne sais pas, l'histoire n'est pas le nombre d'apéritifs qu'ils ont fait. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui a été un peu plus sage que les autres, qui a dit mais au final, on va peut-être, si on faisait une entreprise qui permettait à d'autres de changer leur monde autour de leur apéritif, et du coup de devenir brasseur, ouais, de permettre. Et ils sont devenus brasseurs sur ça. Voilà. Et du coup, tout ce que je vous ai raconté ce soir-là, je suis arrivé avec quelques bouteilles, un pain, un fromage, un vin. Le pain est fait sur la commune, le fromage est fait sur la commune. Et quand, par exemple, avec ma sœur, elle démarre une discussion autour du vin, de la filière, de l'écru, de l'AOC, des normes, de l'agriculture bio, des fois, ça m'arrive d'enchaîner, juste en changeant le mot lait par vin, vache par vigne. Voilà. Et juste en changeant les mots, en fait, les problématiques reviennent les mêmes. Et j'ai les mêmes problèmes sur les AOC, les contrôles bio, les normes, l'industrialisation. Le vigneron, c'est pareil. On peut débattre de la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Le pain, c'est pareil. Et ce qui est intéressant là avec ces apéritifs, ça me rappelle un proverbe qu'un copain breton m'a donné. Oui, parce qu'on a tous trois aussi d'avoir un copain breton, un copain noir, un copain Le proverbe dit Genel et Rer, Pézen, Mervel et Rer, Descartes. On est paysan, on meurt apprenti. Et je retrouve ça un peu dans tous les apéritifs que je fais, c'est que plus j'en fais, moi j'ai l'impression d'en savoir dans ma vie. Et ça fait aussi, ça me rappelle une histoire avec un autre thérapeute, voilà, parce qu'entre l'astrologue et le dernier thérapeute, j'en ai vu d'autres, hein, voilà. Là, j'aime bien. C'est marrant des fois, voilà, et lui il m'avait marqué parce que ça devait être un mercredi ou un jeudi matin à la distillerie. J'étais sur une distillation de seconde passe,
Donc voilà, j'allais faire mon bel alcool sur la journée. Donc c'est une journée qui va durer 10 à 12 heures. Donc j'allume l'alambic, ça chauffe. Là, il y a les têtes qui commencent à couler. Et après, j'ai fait ma coupe de tête. Et là, je sais que j'ai 2-3 heures devant moi où il y a l'alcool qui va couler. Et il faut juste que je gère le seau, voilà, le contenant, pour pas que ça déborde. Mais voilà, je ne peux pas faire plus de toute manière. Voilà, c'est de la chimie, de la chimie. Et du coup, j'avais rendez-vous avec ce thérapeute au téléphone, donc il commence à me faire me dire des choses, tout ça. Et il me dit à un moment, « Mais Baptiste, il faut que tu apprennes à ne rien faire et à laisser couler. » En fait, c'était ce que j'étais en train de faire. Et je me dis que c'est au moins une des choses que le capitalisme ne me récupérera jamais. Merci.